Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui, tout simplement une petite nouveauté sans être une nouveauté. Tout simple. Alors, voici la platine cassette qui est ici, là. Je vais vous le faire. Ah. Oh là là. Bon, attendez, j'ai un petit souci, je vous reprends. Bon, voilà, donc voici, voilà ce que je voulais vous faire montrer. Donc, je débranche ça. Ça sert à rien. Voilà, voilà le cassette. Donc ça frotte un peu sur le truc là, sur la platine. Donc vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver une solution pour que ça soit correct. Parce que là, franchement, là je m'attendais pas que. Je pensais que ça aurait réussi, mais bon. Faut que je calcule avec l'appareil en dessous là. Normalement. Tiens, il a bougé en plus. Bon voilà, il a bougé en plus. Bon, je m'en occuperai ça tout tranquillement. Parce que vous savez, j'étais en train de mettre les cordons. Donc j'étais en train de mettre les cordons des prises. Donc c'est normal que ça a un peu bougé. Bon, voilà, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Mais voici, c'est une platine cassette. D'accord. Ok, platine cassette. Et elle marche très bien, vous inquiétez pas, j'ai testé, donc j'ai vu que ça marchait nickel, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est une personne qui me l'a donné, ça fait longtemps, ça fait déjà presque 10 ans que je l'ai. Même pas 10 ans, je crois, même, 10 ans, ouais. 2007-2008, quoi. Donc voilà. On m'a donné ça et donc comme il m'a posé la question si j'avais des cassettes, moi oui, je tourne toujours en cassette, même que j'en ai pas beaucoup, mais bon, j'en ai. Pour autre information, bien sûr, j'aurai aussi bientôt des commandes sur les cassettes, parce que je risque de faire de l'enregistrement cassette obligatoire. Et donc vous inquiétez pas, c'est la Pioneer, c'est la table de mixage qui va être reliée directement à ma platine cassette. Ne sera pas utilisée en amplification parce que je vais sortir en Reik, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est tout simple. Voilà, je vous remercie, à la prochaine vidéo. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait une, c'est normal parce que je suis là pour j'étais occupé sur autre chose. Voilà, allez, bye bye.